Cette histoire commence dans le Yorkshire durant la Seconde Guerre mondiale. Il faut commencer de nouvelles rues. Attention, tu es les pieds. Est-ce que tu es là-dessous? Au secours! Petite? Est-ce que tu es là-dessous? Écoute, si tu es là, manifeste-toi! Tape sur les planches, aide-moi! Mon job, c'était laveur de vitres. Et je t'assure qu'à chaque fois, il laisse la fenêtre de la salle de bain ouverte. Tout ce que t'as à faire, c'est de grimper le long de la gouttière et de te faufiler dans la pièce. C'est un jeu d'enfant. Et une fois dedans, tu piges, tu piques tout ce que tu peux. D'accord? Normalement, j'y passe la nuit. Ça dépend. Et tes parents, ils sont où? Ils sont morts, d'après ce qu'on m'a dit. Mais je m'en fiche. Eh oh! Rosie, laisse-nous. Casse-toi. Oui. Casse-toi. Tu sais, des gens comme ça, ils devraient être bouclés. Ben, en tout cas, si t'arrives pas à passer par la fenêtre... Tom? Regarde-moi quand je te parle. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Je ne te laisserai pas nous gâcher la vie. Nous allons à Longleat comme prévu. Il vaut peut-être mieux remettre à plus tard. Il n'en est pas question. Nous allons voir les lions. Je n'ai pas envie de voir les lions. Mais c'est toi qui voulais toujours aller à Longleat. Avec papa. Pas avec lui. Très bien. Tu as épuisé toute ma patience. Excuse-toi. Tom, excuse-toi auprès de Bob. Il n'a pas à s'excuser. Il s'est montré impoli. Il doit s'excuser. Je t'en prie, Barbara. Tom. Arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu un chien. Je crois qu'il est blessé. Je n'ai rien vu du tout. T'es là! J'espère pour toi que ce n'est pas un de tes nouveaux jeux. Pourquoi je mentirais? J'ai vu ce chien! Son collier. Jette-moi ça par terre, c'est dégoûtant! Allez, on rentre. J'ai vraiment vu ce chien. Eh bien, il a dû s'enfuir. Allons, les garçons, on se calme. On veut pas de lui dans notre équipe. C'est vrai, il a raison. T'as compris, pauvre nul. Non.
but tu t'es pris aujourd'hui? On n'arrive plus à compter. S'il est encore dans l'équipe, c'est juste parce que ce vieux Bob se farcit sa mère. Ouais. Demande à ta mère ce qu'elle doit lui faire pour que tu passes milieu de terrain. Ouais. Oh, Tom, je voudrais te parler. Salut mon beau. Enfin, ma belle. Viens ma belle, on va se mettre à l'abri. Bonjour Evelyne. Oh, d'où sors-tu, petit galopin? Tu ferais mieux d'aller te laver avant que ta mère te voie dans cet état. Tom? Oui? Je suis tombée. C'est pas grave. Il faut que je te dise quelque chose. Je vais me laver les mains. Non, écoute-moi d'abord. C'est très important. Nous avions décidé de t'en parler hier, après la visite de Longlit. Nous? Bob et moi. Écoute, tu sais que nous t'aimons tous les deux beaucoup. Et nous avons pensé que ce serait une bonne idée de nous marier. Et papa, alors? J'ai demandé le divorce. Et... nous nous marierons dès qu'il sera prononcé. Et si papa n'est pas d'accord? Arrête de penser à ton père. Lui, il nous a oubliés. Parce que tu lui criais dessus. C'est pour ça qu'il est parti. Nous n'arrêtions pas de nous disputer. C'est de ta faute. Vous auriez pu aller voir un conseiller. Ça n'aurait pas marché. Tu ne peux pas savoir. Je te jure que je le sais. Tom, prends une tasse pour boire ton lait. Pose cette bouteille. Tu ne vas pas nettoyer? Ça ne presse pas. Je vais le faire. Je t'ai dit que ça ne pressait pas. Écoute, je sais que c'est difficile pour toi. Mais ça va aller mieux. Je te le promets. Juste pour toi. Juste pour toi et Bob. Non, on va tous être très heureux. Je te déteste. Tom, ne dis pas de bêtises. Si, je te déteste.
Salut toi.